le flotteur qui est arrivé, le flotteur bâbord qui est arrivé, le flotteur tribord qu'on a mis en place. On l'a essayé, on l'a ajusté, donc là il est prêt à effoler. Les gars sont derrière en train de préparer les surfaces pour le collage. Et là on le remonte dans l'heure même pas. Toutes les préparations qu'on avait fait en amont elles sont bien passées. Là on va juste les coller. Ouais. Et maintenant on va remettre des tissus carbone. Pour le renforcer. Pour le greffer vraiment. En fait, le flotteur au bras et le bras au flotteur. On est en train de positionner le flotteur sur les deux bras. Le flotteur a été scanné, tout l'ensemble de la coque avec les bras également. Et là, on monte le flotteur pour pouvoir le positionner au plus juste. Il y a encore quelques millimètres qui se promènent. Donc on ajuste, on redescend le flotteur, on fonce les quelques millimètres et on remonte. Une fois qu'il est à la bonne place, on fait les joints congés, on fixe le flotteur sur les bras. On va attendre le séchage et après, on peut entamer la période de strat, c'est-à-dire mettre les couches de tissu successives. Et ensuite, repositionner les quelques cloisons manquantes et refermer le pont. De la pose du flotteur à la phase finale avant enduit et peinture, on peut dire qu'il va se dérouler à peu près un mois. Après, il y a le deuxième flotteur et tout l'assemblage sera terminé, on pourra commencer à poser l'aménagement.